salut tout le monde, c'est Altaïr, c'est Camille Taïr pour l'épisode 18 d'Assassin's Creed 1. Il est 25 novembre et nous sommes le 1h06 du matin. Oui, j'enchaîne direct, je fais toujours les épisodes par deux, je trouve ça assez sympa. Parce que j'ai du mal à, déjà deux, j'ai du mal à en faire que deux. Alors voilà, je fais la semaine entière directement. Puis là, ça va être un épisode fort en émotion. Coco! Je t'avais pas déjà tué, toi. Voilà, un épisode fort en émotion, disais-je. Puisque... Ouais, je fiche le camp. Waouh. Parce qu'on va tuer encore quelqu'un. J'aime tuer les missions les quêtes terminales. D'accord, ok. Ne vous embêtez pas, les gars. D'accord. Non, bah, ok, on va s'asseoir. Qui me spot? Oui, bah, je m'en vais. C'est qui? Ah, c'est toi. Coucou. Voilà, tu me fais plus chier maintenant. Bon, je te remercie. Paysan, ouais. Tu me prends pour qui, sérieux? Donc toi, par contre, tu vas être un gène. Va falloir que je t'assassine. Ah, l'enfoiré! Ok, allons dans la foule. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais, j'ai tué du bruit pour rien. Tu veux pas descendre? Merci. Pardon, monsieur dame. Donc il y a le fils dans les cadres. C'est une femme ou c'est plus ça? C'est une femme. Je demande le silence! Ah, l'assassin est à gauche. Peuple de Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous voterez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Pas question! Jamais. Alors, allez-vous agir? Ouais! Oui! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice! C'est à moi, pour qui vous prenez-vous? Et vous restez là sans rien faire! Je veux passer, vous êtes complice je suis d'accord avec vous. Barrez-vous! Dieu vous maudisse! Oh la vache, que d'archer! Oh! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien! Leur but, faire naître le doute et la peur en vous! Mais... moi, je les en empêcherai. Les quatre là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Wouhou! Ah bah, j'y arrive. Oh la vache. Putain, j'ai du garde au cul là. Bon, c'est bien parce qu'ils savent pas quoi faire, tous ces gardes.
Ah, tu es là, Al-Mualib, je t'ai pas vu là. Voilà. Requiescat in pace. Va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? Bah oui. As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Je sais pas. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. T'aurais dû lui faire voir avant. Tout doucement quand même. Ok, je suis toujours en combat par contre. Ah merde, j'étais prêt là. Ah vache. Ouh allez. Il y a moins de monde là. Ah, on vient de me dire que là il y a la série Halo qui vient de recevoir un message. La série Halo est pas mal à part. Hein. J'ai pas vu la fin. Oh le nom de cadavre! Bam, j'ai perdu 3 coeurs quand même. Oh là là, violence. Allez, changeons un peu de style d'attaque. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire parce qu'il y en avait un autre qui était... Voilà. Allez, on va utiliser celle-là un peu. On utilise... Non, c'est celle-là qu'on n'utilise jamais. D'accord. Mais voilà. Oh, ouh. Oh. Il reste 12 minutes, d'accord. Oh, ça va, on est large. Bon, bah, fuyons. C'est trop facile. C'est pas grave, je suis désolé, mais... Voilà, je préfère de loin celle-là. Mais il n'y a pas Spartan. Ah, d'accord, je sais plus qui c'est Spartan. Allez là, je cherche la maison. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Ouais, c'est clair, t'es un connard. Rentre à Masyaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Je vais pas aller à Masyaf, je vais aller à Damaswak. D'accord, merci, c'était gentil. Avance Damas... rapide vers une séquence plus récente. Donc après avoir foutu le bordel dans la vie... Eh, hey, on est à la fin hein, du jeu. Au final, on aura mis combien l'épisode? Je ne sais même pas. Oui, pas longtemps, mais c'est parce que j'ai beaucoup... Oh, faut retourner là-bas, merde. J'ai beaucoup esquivé... Ah, il nous manque un bout de ville. Ah bah beaucoup, oui, c'est toi qu'à faire.
Ah oui, dans un combat, sélectionnez la lame secrète pour en finir rapidement avec un ennemi que vous avez projeté au sol. Ok, bah c'est gentil. Le problème, c'est que je fais beaucoup que de la contre-attaque, en fait. Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez! Qui es-tu pour me parler ainsi ? Altaïr. Celui qui se charge de la sale besogne. Oui. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Non, je peux pas approcher. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Oh. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Ah, c'est beau ça. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, Dominé, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salah Adin ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes. Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. Bizarre. Acte de foi, n'importe qui essaie de me tirer une balle, c'est chaud. Putain, de me tuer comme ça. Échelon 6, nouvelle arme, couteau à lancer supplémentaire. Pour vous entraîner à la cour. Oh non, merci, le couteau à lancer. C'est nul, mais j'étais jamais allé là. Drapeau des assassins. Le drapeau des assassins, il faut en trouver 20 dans ma CS. Est-ce que ça fait voyage rapide du coup? Ah non. Ok, donc on a fait quoi la dernière fois? Jérusalem. Pourquoi il court comme ça? Il nous reste un peu moins de 5 minutes, il est quelle heure? Il est 1h20. Allons à Acre. Au bureau. Les cadavres peuvent vous permettre de faire diversion. Les soldats quitteront leur poste, et vous pourrez ainsi accéder à la zone qu'ils surveillaient. C'est long les temps de chargement, bordel.
Allez, raconte-toi. Altaïr, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois, cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un but précis. Oui. Oui, je dois éliminer Guillaume de Montferrand. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, et je me suis renseigné. Je sais comment m'y prendre pour l'atteindre. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose et il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact, ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrarié. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrai intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mets fin au jour de Montferrat, que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors, Guillaume de Montferrat, ouais. On l'appelait aussi... c'était comment Guillaume Longue-Épée. Voilà, c'était son nom au 12e siècle, évidemment. Genre, en mode Assassin's Creed, quoi. C'est basé sur des faits réels, historiques. Vous le savez tous. Hein. Et les Templiers, bon, ouais, forcément, existent. Voilà, ainsi que les... C'est comme les Templiers, comme les francs-maçons, les... Pourquoi je passe par là, moi ? Non, je redescends, t'embête pas. Oh, mais vous êtes sérieux, là ? Voilà. Allez, fais un speech, toi. Voilà. Non, tu me touches pas. Voilà, j'aime pas ça, les flèches, par contre. On va s'abriter un peu plus. Ouais, c'est bien, tu vas me rater. J'aime pas du tout les flèches. C'est super chiant, les archers. Barrez-vous, cadavre. Wouah. Raté. Ah, j'ai l'arché. T'arrives un peu... Ah d'accord, tu fuis en fait. J'aime pas les fuyards. Donc voilà, donc ouais, je disais... Ah, changement d'arme. Ils ont vraiment... C'était basé sur les ferrets, donc avec les Templiers, les... C'est qui, toi ? Et les assassins, c'était dans les pays arabes, me semble-t-il. Ils ont vraiment existé, donc ils étaient là pour... c'était les Robins des Bois, du coup, Jérusalem, etc. Ok, bon, je me barre parce que je vais avoir trop de monde au cul. J'ai pas une super répute dans ce pays. On va passer par-dessus, hein. Voilà, il y a moins de yards, même s'il y en a, ils sont casse-couilles quand même, d'accord. Voilà. Après, l'histoire d'Assassin's Creed est super intéressante. Enfin, bon, après, je trouve, j'aime beaucoup l'effet historique comme ça. Puis surtout, le jouer, quoi. Hein, jouer à des trucs historiques. Oh, en déroute. Je crois que je vais grimper. Et pardon, vas-y, barre-toi. Je sais pas comment on se rattrape par contre. Ah, c'est là. Oh, le roi Richard, me semble-t-il, non? C'est ça? 3000 âmes, Guillaume. C'est pas mon fait. Ah. Je croyais qu'il devait être gardé prisonnier et qu'il serait ensuite échangé contre nos hommes. Les Sarrasins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité.
je vous ai rendu service. Oh oui, un grand service en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Dites-moi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non, vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régnez déjà sur Acre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance? Briguez-vous ma couronne? Vous vous égarez! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Ah, donc. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Prévenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, monseigneur. Les autres, venez avec moi. Non, merde. J'étais obligé de pénétrer dans le truc. Ok, alors, il y a plusieurs façons de pénétrer dans le truc. La première, c'est de faire ça l'épisode suivant! Voilà. Et tiens, au passage, si vous voulez, juste la fin de l'histoire de Guillaume Montferrat. Voilà. Pour le moment culture, il me semble que c'est le cousin de Louis VII, roi de France. Louis VI, Louis VII, je ne sais plus exactement la descendance. Enfin, lequel c'est. Voilà, donc bah, vous le savez maintenant. Hein? Je vérifie sur Google, au pire je vais vérifier je vais le googler sur le prochain épisode. Voilà, comme ça je vais savoir complètement. Et puis, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, mercredi après-midi 15h sans faute pour l'épisode numéro. Donc là on est au 16, 17, 18, donc l'épisode 19 d'Assassin's Creed 1. Moi je l'ai fait en mode reportage, et c'est un reportage que nous vous proposions. Voilà. Denis Maréchal, je crois, m'a fait rigoler avec ça. Bref, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série magnifique. Allez, ciao tout le monde. Pousse.